Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo sur SourceTree. Donc, nous avons utilisé différents logiciels précédemment. Nous avons utilisé Git Desktop, qui est une application pour débutants, pour apprendre à utiliser Git. Nous avons utilisé Fork, qui est un logiciel très très puissant, un peu comme SourceTree, qui coûte 60 euros à vie et qui fait le taf. Et ça, c'est ce que mes collègues utilisent, mais moi, dans le temps, j'ai l'habitude d'utiliser SourceTree, donc j'utilise toujours SourceTree actuellement. Donc nous allons utiliser SourceTree. Sauf que pour utiliser SourceTree, il faut d'abord avoir installé Git. Donc il faut que vous ayez dans la vidéo précédente et que vous installiez Git via ce lien-là, ou que vous cliquiez là et que vous l'installiez, avant de passer à cet exercice-ci. Pour installer SourceTree, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire j'aimerais bien le télécharger gratuitement. J'accepte les conditions d'Atlassian pour installer SourceTree. On va télécharger SourceTree ici. On va le lancer. Voilà. Nili bili. Il va se lancer gentiment. Alors, SourceTree, il a la particularité d'avoir été designé par Atlassian pour Bitbucket, qu'en fait il existe différents hébergeurs de projets Git. On a GitHub que tout le monde connaît, qui va permettre de stocker vos projets. On a GitLab que les gens connaissent un peu mieux, qui est en fait la même chose, un hébergeur de Git, de projets Git, mais plus axé sur le privé et l'automatisation. Et on avait dans le temps Bitbucket qui permet de sauvegarder, d'héberger des projets Git. Et c'est juste un autre hébergeur de projet Git qui a ses propres conditions, ses propres façons de fonctionner, etc. Et ses propres budgets. Donc voilà, si vous voulez avoir un truc un peu plus privé, vous pouvez utiliser soit GitLab, soit Bitbucket plutôt que GitHub. Alors, nous en étions. Voilà, on a lancé l'installation. Il nous demande est-ce qu'on veut héberger sur Bitbucket? Non, on n'a pas besoin, donc on va skip. Quel tool on veut utiliser? Ben, on va utiliser le Git qui est installé sur la machine par défaut, hein. Donc on va dire celui qui est là. Bon, ici, c'est pas celui par défaut. J'aurais bien voulu avoir celui par défaut. Enable this option, will configure and préconfigure global, ignore. On s'en fout. J'aurais bien voulu qu'il utilise celui par défaut, mais apparemment il va utiliser celui qui est déjà installé. C'est pas grave, on va faire avec. Voilà. Le nom, prénom, il a trouvé que c'était Hello Teaching et Gmail. On peut mettre ce que vous voulez, hein. C'est ce qui va permettre de dire qui on est quand on fait des sauvegardes. On n'a pas besoin de la clé SSH. La clé SSH, c'est quand vous voulez travailler de manière très sécurisée ou au lieu de mettre votre mot de passe quand vous vous loguez, ça va mettre en fait un ID qui est propre à votre machine, à ce PC-ci. Nous, ici, on ne va pas le faire parce qu'on est des débutants. On ne va pas commencer à faire de la sécurisation de code à ce point-là. Voilà, SourceTree est installé. Alors il se souvient de mon passage, c'est pour ça qu'ici vous voyez l'onglet, parce que je l'avais déjà installé précédemment. Ce qui se passe, c'est qu'on veut ajouter, donc on peut cloner un projet, si on veut ajouter depuis le web sur notre ordinateur, mais on peut aussi ajouter, du coup, comme pour les autres, un projet qui est sur notre machine. On va choisir Browse, on va aller ici, on va aller choisir Unity, Git, et on va choisir notre application. On l'ajoute comme ceci, et voilà, on se retrouve avec notre jolie application, avec l'historique de ce qu'on a fait pour le moment, à quelle date, etc., etc., quels fichiers ont été ajoutés. Vous avez plein d'infos utiles dans tous les sens. Ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de résoudre un conflit, comme on a fait précédemment dans la vidéo Git en ligne de commande. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour faire un conflit? On va aller dans notre projet, on va aller dans le README, comme pour la vidéo précédente. Voilà. Dans mon README, quand il va bien vouloir s'ouvrir, hop, hop, hop. Allez, tu peux le faire, petit ordinateur. On va rajouter ici, depuis mon ordi. On va sauvegarder. On va aller en ligne ici. Et on va aller dans le répertoire. Alors, dans notre répertoire, c'est celui ici. Dans Install Application Demo. Voilà.
Et ici, on va aller remplacer cette ligne-là. Et on va la mettre par depuis en ligne. Alors ici, deux choses. Vu qu'on n'est pas sur la même ligne, là c'est la 8, là c'est la 9, il est possible qu'ils mergent automatiquement. Donc c'est-à-dire qu'ils mettent les deux lignes. Si on est exactement sur la même ligne, on va avoir un conflit. Ici, on va voir ce qu'il va décider de faire. Donc on va fermer ici. On va sauvegarder en ligne. Voilà. On va retourner dans Source Tree. Et ici, il nous dit, hey, mais t'as un ami qui récemment a travaillé sur le truc. Est-ce que tu... Ah non, est-ce... tu as toi-même, pardon, désolé. Tu as toi-même travaillé récemment sur un fichier README ou tu as rajouté depuis mon ordinateur. Est-ce que tu veux sauvegarder tout ça? Stage all pour dire c'est bon, dans la prochaine sauvegarde, on va sauvegarder ce fichier. Et on va lui donner un petit provoke create conflict. Voilà. Ok. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que si je fais fetch pour dire hey, est-ce qu'il y a des amis qui ont travaillé en ligne? On peut voir que oui, effectivement, il y a un ami qui a travaillé en ligne sur un fichier. Ici, vous voyez que là, c'est moi. Là, c'est lui en ligne, pardon. On voit le petit truc rouge ici, pouf. Depuis en ligne, et là, c'est moi. Ce qui veut dire que quand on va faire un pull, ça va revenir ici, et on va avoir soit une merge automatique, soit on va avoir un conflit. Pull. Voilà, et il va nous dire, il faut que vous configuriez le git pour que ça marche. Ah, j'aime pas ça. C'est pour ça que j'aime pas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il m'a installé Git. Du coup, il utilise le Git à lui et pas le Git global. Et il y a des choses qui ne sont pas configurées. Ici, moi, ce que je vais aller changer, c'est d'aller lui changer son Git. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Elite.conf.file. Non. Alors, je vais vérifier que j'arrive à faire ça. Il doit y avoir un truc option. Par ailleurs, c'est ici qu'on peut changer en anglais. Langage anglais. Git. Global in, simple. Enable for push. Système. Donc là, j'ai cliqué sur système pour dire que je veux système. Est-ce qu'il va bien me laisser utiliser le git système? Ça a l'air de bien vouloir, ok. Donc maintenant que c'est fermé, je vais fermer Source Tree pour être sûr qu'il charge bien celui de mon ordinateur. Voilà. Comme ça, on est sur le même git pour tout le monde et pas juste pour lui. Ok. Voilà, donc maintenant si je fais pull comme ceci, il va prendre les options par défaut qu'on a mis dans Git quand on a installé Git et ça fait un pull. Tadam! Magnifique! On vient de faire notre premier pull. Ici, vous voyez qu'il a fait une merge et il n'a pas l'air d'avoir de créer de conflit. Donc on va aller voir ça. README. Voilà. Donc ici, il a fait ce qu'on appelle un merge. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu un conflit. Il a vu deux personnes travailler sur le même fichier, mais pas sur la même ligne. C'est surtout ça qui est important. C'est si vous travaillez sur la même ligne, c'est là qu'il y a un conflit. Et alors là, vu que c'était deux lignes différentes, il a dit, ah bah, lui, il a là, travaillé là, lui, il a travaillé là. C'est bon, je mets les deux ensemble. Tadam! Et c'est comme ça qu'on peut travailler à deux sur le même fichier. C'est déconseillé, mais on peut. Ce qui veut dire que maintenant, si je fais ceci, à sauvegarder, voilà, je vais en ligne, je modifie, voilà, ici je mets B, je sauvegarde, je commit. Là, on se retrouve dans une situation où théoriquement, on va avoir un conflit d'intérêt sur qui a fait quoi et à quel moment. Normalement. Parce que je vois qu'il y a encore un moyen que l'ordinateur arrive à comprendre ce qui s'est passé. Donc, on va dans notre projet. On dit qu'on veut stage le README. Try to create conflict. Commit. On fait un petit pull.
En pool, ça veut dire on va chercher les modifications de mes collègues. Et là, il me dit, hey, t'as remarqué que tu as un conflit sur un fichier. File use the operation resolve conflict. Donc en gros, il me dit, il y a un fichier où il y a un conflit, est-ce que tu peux le résoudre? Donc ici, il nous dit, hey, regardez là-bas. Donc en gros, on va cliquer ici. Et vous voyez qu'ici, il me dit, hey, tu vois ici, il y a un petit triangle. Ça veut dire qu'il y a un conflit. En gros, il y en a un qui a mis A, il y en a un qui a mis B, et il y en a. Du coup, je choisis quoi? J'affiche ça ou ça. Cette partie-là ou cette partie-là. D'ailleurs, on voit que B, il a même retiré bonjour. Il a laissé bonjour. Donc ici, on va dire, ben, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu prennes celui que moi j'ai fait. Ou celui que lui il a fait. Donc si je veux ma machine à moi, je vais faire mine. Si je veux les modifications de mes collègues, je vais faire zer. Donc du coup ici moi je vais dire bah je préfère le mien. Et donc du coup je vais prendre le mien. Tadam, comme ceci. Du coup si je veux rajouter ce que l'autre a fait, bah, il faut que moi-même j'aille le rajouter à la main s'il y a besoin de le rajouter. Ou si je considère que c'était juste moi qui étais le plus important, je dis que c'est moi qui étais le plus important. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que on a fait du coup un commit automatique, c'est-à-dire que vu qu'on a modifié le fichier, on l'a sauvegardé. Vous voyez ici, try to create conflict. Dedans, il y a notre fameux README avec le fait qu'on a supprimé ça et qu'on a mis A. On va pouvoir faire notre pool. Hop, comme ceci. You have concluded merge existing. Attendez. Commit. Gna. Ah oui, j'ai oublié de commit ici. Voilà, il disait, nous avons mergé la branche tatatata, à cet endroit-là. Voici la description de conflit. On a obligé de faire le petit commit avant. Il me semblait bien qu'il fallait que je fasse un commit avant. Voilà, donc, commit, c'est on a sauvegardé. Donc voilà, là, on à essayé de créer un conflit. On a réussi à en créer un entre lui et lui. Donc du coup, on l'a résolu juste après. Et c'est ça qu'on a ici. Avec le fameux README qui a été modifié. Et donc maintenant, on peut se mettre à jour sur tout le monde. Apparemment, on est à jour sur tout le monde. Du coup, on va pouvoir décider de mettre en ligne. Et là, le petit 4 qui est mis au-dessus, ça veut dire que il y a 4 modifications sur ma machine qui n'ont pas encore été mises en ligne sur le site web. Donc, je vais faire push. Et on se retrouve maintenant avec les modifications sur le site web. Et voilà comment on crée et comment on résout un conflit. Je rappelle qu'on aurait pu le faire à la main. Hein. On aurait pu créer un conflit et, comme tantôt, venir à la main, modifier, enfin, comme tantôt, comme dans la vidéo précédente sur Git, venir modifier à la main. Pour ceux qui n'auraient pas envie d'aller regarder la vidéo, je vais refaire le truc. Donc, admettons ici, hop, je fais important, sauvegarder sur la ligne 10. Voilà, je vais ici, je vais dans README. Je vais écrire par-dessus important sur la ligne 10. Je vais mettre pouf, on s'en fout. On sauvegarde. Voilà. Ok, donc je vais dans la ligne de commande, ce qu'on a installé précédemment dans la vidéo, grâce à ceci. Hop, je fais git statut, git add. Hop. Git commit tiret m tiret m save. Git pull pour dire je me mets à jour sur mes voisins. Et là, il me dit hey, mais t'as un conflit. Donc ça, c'est le petit triangle qu'on a vu précédemment. Il dit t'as un conflit sur le README, il faut que tu le résolves avant d'aller plus loin. Qu'on va aller hop ici, on va aller dans le README. Voilà, il me dit, hey, finalement, entre ça, on s'en fout, et ça, important, je choisis quoi? Je dis, moi, c'est important qui vaut la peine. Donc, on va retirer cette partie-là, comme ceci. Voilà, on va sauvegarder. Du coup, on va revenir ici. Git statut, on a quelque chose qui a été modifié, vu qu'on vient de corriger le conflit. Git add pour dire on sauvegarde les fichiers qu'on veut sauvegarder par la suite. On sauvegarde concrètement les conflits.
Unreadme. Git statut, bah c'est bon, on a sauvegardé tout ce qu'il fallait localement. Git pull, parce qu'on sait jamais que quelqu'un est corrigé en attendant. Git push, hop, on le met en ligne. Voilà. Donc en gros, là, ce que je viens de faire en ligne de commande, c'est ce qu'on a fait tantôt ici en résolvant un conflit et en le gérant. Et donc ici, on peut voir que si je quitte la fenêtre et que je reviens ici, refresh, voilà. Donc ici, vous voyez qu'on a créé un conflit. Ici, on l'a résolu avec SourceTree, avec le petit je prends le mien. Ensuite, ici, on a recréé un conflit en ligne et sur ma machine. Et on l'a résolu à la main. Tadam! Pratique! Et donc voilà, c'était une petite démonstration de comment on fait pour installer SourceTree et comment on utilise Git dans ces conditions-là. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo, un très bon code, et à la prochaine!